Aujourd'hui, la logistique que nous utilisons est une logistique qui date de 2013. Elle est non seulement vétuste et insuffisante. On parle de 12 camions. Pour couvrir le Grand Libreville, c'est-à-dire les communes que nous collectons, Libreville, Akanda et Ntoum, nous avons eu besoin d'avoir recours à de la sous-traitance qui malheureusement utilise un matériel inadapté, c'est-à-dire la tractopelle. Vous voyez bien que la tractopelle détériore nos voies. Pour cela, en mai 2022, le président de la République a instruit les membres du gouvernement à augmenter la capacité opérationnelle de Clean Africa, c'est-à-dire avoir recours à un investissement important. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons reçu en dotation 10 camions en pyrole, 6 camions Ben, et 30 baumes qui vont nous être mis à disposition dans les prochaines semaines. Nous avons également reçu des réceptacles à poubelles, qui sont des bacs, qui sont des bennes, qui ont été redistribués dans l'ensemble des communes que constitue le Grand Libreville et qui ont été déployés sur le terrain. Ce matériel aujourd'hui nous permet de mieux gérer les sorties des déchets. Nous continuons d'opérer en deux postes, jour et nuit. Donc, avec ce nouveau matériel, nous allons pouvoir, de façon autonome, assurer avec du matériel approprié à notre travail, nous allons pouvoir mieux assurer le service public qui est le nôtre. Et également aussi, compter sur le fait que nous n'ayons plus à enregistrer les dégradations du domaine public comme c'était le cas auparavant avec ce matériel inapproprié.